ça. J'ai une aversion assez pathologique pour le Real, qui s'est d'ailleurs beaucoup développée dans la période Mourinho, où c'était devenu une équipe de tueurs. Je peux pas saquer Pepe, je peux pas saquer Ramos, je peux pas saquer Ronaldo. J'adore Modric, alors que le Barça, j'adore. Je vais dire Strasbourg parce que Marc Keller, le président du club, est mon meilleur ami et qu'il a été incroyable durant ma maladie. Comme je dis souvent, ça a été la personne de mon entourage qui a le plus mal vécu ma maladie. Je le sentais totalement désemparé au téléphone. Je sentais quand je l'avais au téléphone qu'il avait peur que je meure. Il avait raison d'avoir peur d'ailleurs. Kylian Mbappé, parce que je pense qu'il a un registre plus large. Il peut jouer sur un côté ou dans l'axe. Alors je pense que Ousmane peut jouer vraiment que sur un côté. Mais en tout cas, c'est un cadeau du ciel pour l'équipe de France d'avoir deux attaquants de ce niveau. Nantes, c'est plus près de la boule. Mais j'aime bien Rennes. J'aime bien Rennes. J'aime bien Rennes et j'enrage de voir Rennes enchaîner les saisons qui se ressemblent dans cet anonymat. Et j'aime pas l'image que Rennes, l'image que le Stade Rennais a en France, ce club dont finalement tout le monde se fout parce que c'est toujours pareil. À un moment on se dit ah, puis non finalement tu vois. Puis ça m'énerve que ce club appartienne à un milliardaire et qu'ils mettent pas un copec dedans sauf pour boucher les trous. Bah, Ibra, il fait une saison. Arsène Wenger a dit à un de mes amis que s'il n'était pas à Manchester cette année, Manchester ne serait pas dans les 12 premiers de Première Ligue. On ne se rend pas compte de son importance dans un groupe. C'est un vrai patron. Beaucoup de gens me disent que le PSG n'aurait jamais battu Barcelone 4-0 avec Ibra. C'est probable. Ils ont certainement raison. Ils n'en auraient jamais pris 6 avec Ibra ou Nupan. Jamais. Jardim, parce qu'il a moins de moyens et qu'il fait mieux. Favre, j'ai un peu de mal à supporter la personnalité de Bielsa, ce côté El Loco, ingérable, je viens plus, je négocie, je me casse. Pour moi, cet homme n'est pas fiable. Après, je ne nie pas ses qualités d'entraîneur, mais l'homme n'est pas fiable. Ah bah encore. Bah, dans l'histoire qui les oppose, plutôt Valbuena, parce que c'est Valbuena la victime. Après, niveau de joueur, Benzema est au-dessus. Je comprends même pas que tu aies rédigé cette question. C'est comme tout à l'heure quand tu me disais Federer, je te dirais Federer, n'importe qui, je te dirais Federer à part Mélissa. Là, tu me mettrais n'importe quel arrière-gauche à la place d'Evra, je te dirais n'importe quel arrière-gauche. Mendy, carbonisé, Evra, carbonisé. Tu sais, quand la Juve est engagée sur trois tableaux et qu'elle laisse partir un joueur libre au mercato d'hiver, il y a suspicion de brouillage.